Messieurs les membres du conseil d'orientation de l'agence Human Titre, honorables invités et participants en vos rangs, qualités et grades respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue aux rencontres virtuelles du marché des titres publics, les RMTP, organisées par Human Titre pour la troisième année consécutive, conçue comme l'opportunité par excellence de renforcer le dialogue entre l'ensemble des émetteurs de la zone Human et les investisseurs. Cet événement s'inscrit cette année sous la thématique de la gestion collective et des investisseurs institutionnels, deux leviers pour mobiliser l'épargne et renforcer la résilience du marché des titres publics. Cette édition propose un contenu de qualité, toujours plus fourni avec l'adhésion de nouveaux partenaires de renom. À ce titre, Human Titre est honoré d'organiser cette édition avec le soutien de son partenaire souverain, qui est la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Togo. Membre de son conseil d'orientation, mais également avec l'appui de son partenaire institutionnel, la Société ouest-africaine de gestion d'actifs, SOAGA, l'RMTP 2021, c'est une keynote speaker, quatre panels, quatre focus pays à présentation et plus de 30 speakers du 20 au 22 janvier 2021. Le programme de ce jour s'articulera autour d'une session d'ouverture, une guest speaking session, une présentation sur le marché de la dette souveraine, un panel et un focus pays. Nous démarrerons par la session d'ouverture composée du mot de bienvenue de Monsieur le directeur de Human Titre, puis la parole sera donnée à notre guest speaker, à la personne de Monsieur le Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement, Monsieur Serge Ekwe. Après cette intervention, nous poursuivrons avec le premier panel de cette édition qui sera axé sur le développement du marché. Enfin, nous achèverons cette matinée en assistant à notre premier focus pays. Comme vous l'avez lu sur l'agenda, les focus pays feront intervenir deux pays par session. Celui de cette matinée portera sur le Bénin et la Côte d'Ivoire. Entre autres, vous avez la possibilité de poser vos questions à partir de l'onglet QR qui s'affiche sur vos écrans. Nous vous invitons donc à tout au long de la session donc de poser vos questions aux différents participants. Sans plus tarder, avec votre permission, honorables invités, je prie M. Adrien Diouf, directeur de Human Titre, de bien vouloir nous rejoindre pour son mot de bienvenue. Monsieur le Président de la BOAD et guest speaker, Monsieur le Président du Conseil d'orientation du mot à titre, chers partenaires et acteurs du marché des titres publics, distingués invités, chers collègues, avant de débuter mon mot de bienvenue, permettez-moi de prendre quelques instants pour souhaiter à ceux que je n'ai pas eu la chance de voir depuis ce début d'année une bonne et heureuse année 2021, remplie de joie, de bonheur et de réussite. Mais surtout une année de bonne santé, car ces derniers mois nous ont montré combien celle-ci était précieuse et essentielle. Nous voudrions également vous remercier pour votre présence à cet événement qui témoigne encore une fois de votre attachement à notre vision commune, édifier un marché des titres publics de référence pour le financement efficient du développement économique de nos États. Cette édition a cela de particulier qu'elle est la première à se dérouler sous format virtuel du fait de l'évolution de la crise sanitaire. Nous espérons qu'à l'image des éditions précédentes, elle nous permettra d'avoir un dialogue de haut niveau autour des problématiques du marché des titres publics, mais aussi de pérenniser notre plateforme d'échange entre les membres de l'écosystème du marché des titres publics. J'en profite, au regard des circonstances, pour m'enquérir de votre état de santé, que je suppose bon au vu de votre participation à notre rendez-vous annuel, mais également de l'état de santé de chacun de des membres de votre famille, de vos familles. Comme vous le savez, les RMTEP sont un événement professionnel initié par Human Titre, axé sur les enjeux et les défis du marché régional de la dette souveraine. Organisée une fois l'an, cette conférence est l'un des moyens phares
identifiés pour renforcer le leadership du MTP et contribuer à le positionner comme une véritable option d'investissement pour les investisseurs en général et pour les investisseurs institutionnels en particulier. Mais c'est surtout l'occasion pour les acteurs du marché de se rencontrer, de nouer des partenariats et d'enregistrer des avancées majeures sur la mise en œuvre des projets communs qu'ils ont. J'en profite donc pour faire un peu le point et vous informer de quelques avancées majeures enregistrées sur des sujets discutés lors de la session précédente. Vous vous souvenez qu'il était question de la mise en œuvre effective de l'accès des EGI à la plateforme Sagetti. À ce jour, plus de 15 structures EGI ont accès ou sont en cours d'accéder à cette plateforme et on espère qu'avant la fin de ce premier semestre, ils seront totalement opérationnels sur cette plateforme et deviendront des acteurs pleins. Le lancement des travaux aussi sur la réforme de la réglementation des TCN qui avait fait l'objet d'intenses débats lors de la session précédente. La finalisation de la notation sur une échelle sous-régionale de l'ensemble de nos émetteurs qu'on sera désormais, à partir de la fin de ce trimestre, capable de positionner sur une même échelle, sur une échelle qui est notre échelle, qui est une échelle sous-régionale. Et enfin, partager avec vous les chiffres du marché secondaire qui ont enregistré une hausse phénoménale avec 1460 milliards en 2019 et 2500 milliards de transactions en 2020. Certes, nous n'avons pas atteint nos objectifs en termes de dynamisation du marché secondaire, mais je crois que nous sommes sur la bonne tendance. La thématique de cette édition 2021 est placée sous le signe de la gestion collective et des investisseurs institutionnels. Deux leviers pour mobiliser l'épargne et renforcer la résilience du MTP. J'en profite donc d'avance pour remercier tous les speakers qui ont bien voulu participer au panel malgré leurs lourdes responsabilités, car nous avons cette année un très haut niveau de représentation, ce qui dénote un peu de l'ampleur que prend cet événement. Au-delà de cette thématique d'importance pour le développement du marché des titres publics, celui-ci se veut une opportunité de regarder l'avenir en face. Et donc de dresser les perspectives et faire un état des lieux du marché de la dette souveraine post-Covid. Les impacts de la Covid sur les économies de la zone UEMOA, notamment à travers ses conséquences sanitaires et les mesures adoptées par nos États pour y faire face, de même que le ralentissement de l'activité économique et la dépendance de l'économie de notre zone au commerce international, constituent des facteurs de vulnérabilité susceptibles de fragiliser les perspectives de croissance à court et moyen terme. Aussi, ces questions seront traitées lors des focus pays qui permettront aux différents États émetteurs de la zone UEMOA de présenter leurs projets économiques et leurs activités affectées par cette pandémie. Ainsi, nos trois jours de discussion sont un premier pas vers la préparation de cette opportunité qui nous est offerte d'accompagner ces États et d'échanger sur nos contributions à cette relance. Au regard de l'importance des ressources financières que requiert toute relance, il convient de renforcer la collaboration entre l'ensemble des acteurs du marché, mais également de cibler les challenges de notre marché dans le but d'en assurer la capacité d'absorption, mais surtout d'en préserver la résilience. C'est dans cette perspective que Humoratit a pensé et structuré cet événement. Ça va nous permettre de relever le défi de l'accompagnement de nos États en leur permettant de lever les ressources financières nécessaires à cette relance. Ensemble, nous saurons relever les importants défis du marché des titres publics pour un développement économique accru de la zone UEMOA. Je ne saurais terminer sans remercier M. Serge Ecoué, président de la RD, qui, malgré un emploi du temps chargé de début de mandat, a tenu à nous faire profiter de sa longue et pertinente expérience des marchés financiers. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous nos participants et souhaitons bonne chance au REMTEP. Merci. Monsieur le Directeur, merci pour votre intervention qui a permis de camper le décor, mais aussi de
d'avoir la situation du marché, les différents fonds qui ont été levés, mais aussi le contexte dans lequel cette rencontre aussi est organisée. Et bien évidemment, vous avez rappelé aussi les défis auxquels font face les États pour un bon fonctionnement effectivement du marché, sans compter les réformes que vous avez annoncées comme l'accès à la plateforme Sagittaire.